Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un petit design sur votre cheat avec Cheat Engine. Donc ça, c'est simple et rapide, mais il y en a qui connaissent pas, donc je vais leur apprendre. Donc on ouvre Cheat Engine. Moi par exemple, je vais rouvrir mon trainer, donc je vais vous expliquer comment on fait. Donc on fait toujours advanced cette option. Toujours ce petit bloc en haut. Là, on fait open existing trainer. Donc on fait OK. Et là, on recherche le cheat, donc moi c'est simple, voilà. Voilà, donc moi le design il est un peu fait vite fait, hein, je m'en fiche, hein, de toute façon c'est rien pour moi. Donc je le redesign. Donc vous à la base il est comme ça votre cheat, mais pour faire votre petit design vous cliquez sur design on user interface. Donc voilà, ça vous fait un truc blanc comme ça. Donc moi par exemple, si vous voulez faire un bouton, cliquez ici. Voilà. Donc on va lui donner un titre, par exemple about. Donc après il faut lui donner une action. Donc pour lui donner l'action c'est sur one click. Donc là c'est nothing, donc ça veut dire qu'il va rien faire. Exit, ça veut dire qu'il va quitter. Launch app, c'est il va chercher une application, c'est un peu inutile. Et show about box, c'est pour afficher le about text ici. Donc moi voilà, je mets sur show about box. On va faire un autre bouton pour quitter par exemple. Donc exit. Donc c'est simple, à on click vous mettez exit, donc il va quitter l'application. On peut insérer une image. On va agrandir un peu. Voilà, donc là pour insérer l'image, vous cherchez sur picture, vous cliquez sur le bouton ici. Vous cherchez n'importe quelle image, hein. Moi j'en ai pas pour l'instant parce que j'ai formaté. Donc on va rien mettre. Mais voilà, hein. Ça c'est simple. Vous pouvez mettre un label, donc comme dans VBNet, là un label ça veut dire un texte quoi, en gros. Donc, par exemple F1 active désactive voilà. Donc voilà, là, le petit design il est fait assez rapidement. Vous pouvez modifier la couleur du label, donc color, là bon bah c'est simple, vous pouvez mettre en rouge par exemple. On peut choisir le curseur, donc endpoint ça va mettre une main quand on va passer sur le label. On click vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Par exemple vous cliquez sur le label, ça quitte le programme. Vous pouvez mettre en souligné par exemple, voilà. Bon, on va voir tout ça, donc je le génère simple, voilà. C'est toujours un petit bug comme ça. Alors là il y a un bug et je sais pas ce que c'est.